Je vais vous parler de ma VAE, valorisation de l'engagement étudiant, dans le cadre d'une option obligatoire pour cette année de licenciat de sociologie à l'Université de Rennes 2. Je m'appelle Nicolas Joncourt, je suis un étudiant autiste non-oralisant et utilisateur de CAA, communication améliorée et alternative. J'ai 23 ans et j'ai besoin d'une aide humaine à temps plein. Je communique en tapant sur un clavier ou un iPad. En 2017, je suis devenu le premier autiste français non-oralisant à réussir le baccalauréat. Je me suis d'abord inscrit en fac de sciences physiques. Mais j'ai choisi d'étudier le droit et la sociologie, car je défends le droit des personnes handicapées et suis intéressé par l'application de la CDPH, Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, notamment l'article 12 sur la capacité juridique. Je suis actif depuis plusieurs années dans des associations pour le droit des personnes autistes et pour le droit à la vie autonome. Je vis en résidence universitaire et j'ai réussi à obtenir des aides financières pour un accompagnement temps plein, ce qui n'est malheureusement pas très fréquent dans le cas des handicaps cognitifs en France. J'ai choisi l'association Clé Autiste pour faire ma VAE, où je milite depuis quelques années, car je me retrouve dans ses valeurs. Je participe à la vie de l'association, pour qui je représente les autistes non-oralisants en France et à l'international, en particulier en IL, European Network for Independent Living, une organisation européenne qui défend le droit à la vie autonome, où j'ai été élu au bureau de Only Youth Network. Je participe à des conférences, j'ai réalisé des webinaires. Du 26 au 28 septembre, je suis allé à l'ANIL Freedom Drive à Bruxelles, un événement organisé par ANIL, European Network for Independent Living, qui rassemble des activistes handicapés de toute l'Europe et même au-delà. J'ai donc assisté à 3 jours de conférences et de workshops dans des locaux du quartier européen et au sein même du Parlement européen, ainsi qu'à une manifestation. Je suis d'ailleurs intervenu lors d'une conférence intitulée Explorer le futur de la vie autonome, perspective de jeunes sur la vie autonome. J'ai par la suite rédigé un compte-rendu de l'événement de la Freedom Drive, publié sur le site du Clé Autiste. Pour le numéro spécial du International Journal of Disability and Social Justice, j'ai été interviewé en tant que militant au Clé Autiste, dans le cadre d'un projet mené par l'ANIL pour marquer le 50e anniversaire de la naissance du mouvement de la vie autonome et les 10 Freedom Drive de l'ANIL qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. On va juste vous mettre un extrait de l'interview parce que vous pouvez trouver l'interview en intégralité sur YouTube. Merci Nicolas. Are there any lessons learned you want to mention? Or you don't have to, huh? So, Nicolas, in your independent living advocacy, what were your biggest achievements and your biggest
failures or challenges? My biggest achievements were to get the baccalaureate, the diploma needed to go to university, and to get full-time assistance, and to live on my own apartment. But the biggest failure is about reasonable accommodations at university. I have not enough and it is very hard. Okay, thank you. Yes. Oh, you want to also answer to what, who have been your independent living ally? Alors, j'essaie de passer à la vidéo suivante, à la diapo suivante. Ah voilà, c'est bon. Vas-y. Au semestre 2, je me suis concentré surtout sur les thèmes de l'incapacité juridique. Pour abandonner les mesures de substitution en faveur de la prise de décision assistée, selon l'article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc là, vous avez un petit schéma qui explique la différence entre la prise de décision assistée, donc en bleu, et en rose, ce qui est plutôt de l'ordre de la tutelle ou de la curatelle. J'ai participé à la journée de dialogue organisée par l'association Cap Droit, au CNAM, le 8 février. Il y a eu des interventions de chercheurs et de personnes handicapées. Cela m'a donné une idée du contexte en France sur la question de la protection juridique. Et c'est pas gagné. Par exemple, il a été dit, l'accessibilité ça ne s'impose pas, ça se légitime, c'est en fonction de la situation, des points de vue de chacun, des personnes concernées. Ou alors, on ne peut pas postuler que de prendre part est là, ou, l'inclusion c'est seulement si c'est le souhait de la personne, il y a une injonction à l'autonomie. Et même, l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées c'est trop radical, il vaut mieux transformer les institutions avec les personnes concernées que les supprimer. Par contre, les personnes handicapées présentes avaient un discours plus revendicatif. La Haute Autorité de la Santé a lancé récemment un appel à candidater pour rejoindre des groupes de travail sur la protection juridique. L'association Cléotis a envoyé ma candidature, mais je n'ai pas eu de retour. J'ai participé à deux séminaires/sessions de travail autour de l'inclusion des minorités dans la vie politique et associative. Ah, mince. J'ai mal sectionné, excuse-moi. Attends. Vas-y. Du 11 au 18 septembre 2022 à Molina, en Espagne, et du 8 au 12 novembre 2022 à Prague, dans le cadre d'un projet européen appelé Impact, inclusive une plateforme politique à l'activisme et une campagne True Training, organisée par GF Europe, les jeunes fédéralistes européens, avec, entre autres, le support d'ONIL, Europe Network of Independent Living. Le début du projet a commencé à Molina, en Espagne, en septembre 2022, dans le cadre de l'University on Youth and Development, organisé par le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. C'est un événement international de la jeunesse où des organisations dirigées par des jeunes ou pour les jeunes donnent des formations ou séminaires. J'ai retrouvé à Prague la plupart des gens de mon groupe de Molina. Nous venons tous de pays différents d'Europe. Lors de ces séminaires, j'ai travaillé sur un plan d'action avec une camarade de GF, qui s'appelle Miranda. On a commencé à Molina et poursuivi à Prague sur la capacité juridique et pour promouvoir la prise de décision assistée. Miranda et moi avons sollicité une bourse pour réaliser notre projet et nous avons obtenu un financement de 500 euros par chef.
Le projet va se réaliser de mai à juin, en lien avec la campagne de clé autiste sur la capacité juridique. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Le but, c'est de sensibiliser et, à terme, amener à un changement au niveau de la loi et remplacer le modèle de substitution de la tutelle par la prise de décision assistée. Voilà les différentes étapes du projet 1. Déterminer et expliquer la situation en Europe 2. Sensibiliser l'opinion publique. Par le biais des médias sociaux, création de matériel, comme des vidéos, des graphiques, des infokits 3, réseau de partenaires avec notre ONG Lecteur 4, contacter les politiciens, trouver des alliés organisations d'un film et de débat, formation des partisans du la prise de décision assistée 5, action juridique, pétition, tribunal des droits de l'homme, etc. L'objectif, c'est donc la prise de décision assistée en tant que modèle juridique principal. Les actions à venir. Je vais défendre le droit à la vie autonome et évoquerai mon investissement dans l'association clé autiste lors de l'université d'été du Centre for Disability Law and Policy où j'ai été invité à faire le discours d'ouverture. En Irlande, la loi de 2015 sur la prise de décision assistée a été promulguée le 30 décembre 2015 et entrera en vigueur aujourd'hui le 26 avril 2023. Je vais participer à une conférence en ligne sur l'assistance personnelle et la désinstitutionnalisation, organisée par l'ACHA, Coordination Handicap et Autonomie, et par ANIM le lundi 26 juin. Et je compte proposer une intervention à l'OSCAP cet été, conférence annuelle organisée par pour des personnes autistes. On est 20. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Alors, on remet en mode écriture. J-E-S suis P-R-E preneur P pour V S, V, Q. Question. Je suis preneur pour des questions. S'il y en a. S, V, R, E, M, A, R, remarque. A, S, aussi. Des remarques aussi. Je suis aussi preneur pour des remarques. Jessie, veut te dire un truc. Alors, bonjour Nicolas, moi j'aime beaucoup ton projet. Et puis bon, si on peut y participer avec la clé autiste, ça serait intéressant d'ailleurs. Parce que... Comme je suis un ancien capacitaire en droit, moi aussi, diagnostiqué TESA récemment. Enfin. Et c'est vrai que la capacité juridique, notamment pour les personnes handicapées, il y aurait beaucoup à dire, notamment, enfin, notamment sur le fait de trouver des alternatives, sur comment leur apprendre à dire oui et à dire non, ou alors comment leur apprendre à ne pas être naïf, justement, à ne pas tomber dans le panneau. Et puis,
comment dire, je veux dire, à savoir à remarquer les vices cachés en fait dans un contrat ou alors dans un accord en fait, pour éviter de se faire avoir facilement quoi. Je pense qu'il faut mettre en place une alternative, je veux dire, parce que je vois que la France n'avance pas beaucoup sur la question. S suit D A C C d'accord. Je suis d'accord. Évidemment. Je suis d'accord, évidemment. Elle. Là. B. R. S. Prise. 2. Décision. A. S. S. I. S. T. E. E. Assister. Donc, je suis d'accord évidemment, mais l'idée est vraiment de remplacer par la prise de décision assistée. Donc, Nicolas, je te lis parce que c'est un peu petit là sur l'écran. Donc, il y a des personnes qui disent alors, oui, ça pose la question de l'alternative à adapter avec les capacités cognitives et sensorielles de chacun, bien sûr. Il manque ces visuels traduits en français, exact, mais adaptés en fonction des couleurs et de la grosseur de l'écriture. C'est
Ah, Nicolas, si tu as d'autres choses à dire. Ça... C'est parce qu'il connaît pas son iPad les abréviations là, Nicolas. Donc... Oui. SDM. Ok. Donc, je serais curieux de savoir si tout le monde parmi vous connaissiez la SDM, la Support Decision Making, la prise de décision assistée. Donc, évidemment, oui, mais je ne sais pas ce que ça recouvre en pratique. Accessible.
R. Propre. C. Choix. S. V. P. E. R. S. Personne. V. E. 2. N. Notre. C. Ah, mais pas ici. Choix. Alien, Dalia, Jour. D. Démarche. Elle est finie ta phrase, Nicolas, ou pas? Oui, ok. Alors. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils accessibles pour faire nos propres choix et des personnes de notre choix pour nous aider dans nos démarches. Vas-y. Alors, actuellement, ce n'est pas censé être le cas dans la loi, ou c'est parce qu'il y a privation de droit. C'est S. Pas. N. Entreprise. Entrée. Vigueur. M. Même. Seigneur. Si. Oh yes. Le c'est on n C'est non. When. c'est Mm-hmm.
concept est N O N énoncé. C'est pas entré en vigueur, même si le concept est énoncé. J E J V O L A voulait S A savoir S si C ça fait vous intéresse T E 2 F T R A V A travailler S sur C V E V C S J E V sujet. Donc Nicolas, il y a juste pour te dire là dans le chat. Oui. Et avoir des associations de tutelle qui possèdent aussi des institutions, ça ne doit pas aider. Non, car c'est souvent les valides qui prennent les décisions pour les intéressés. Dans ce cas, il faudrait un contrôle sur le sujet. Et donc, Nicolas vient de taper. Je montre à la caméra. Je voulais savoir si ça vous intéresse de travailler sur ce sujet. Alors, il y a Jessie qui dit oui. C'est on elle cool J E je P R propose Q O N N con R A S S ressemble B E S B D donner S sur L E le S J E T R D sujet D A dans la D
Ache anebose. Anenoyes. B. R. I. T. Drive. Cool, je propose qu'on rassemble des données sur le sujet dans le drive. Et donc, Nicolas, il y a des gens qui ont écrit sur le chat. Donc, il y a Jessie qui dit, je suis référent clé autiste Nouvelle-Aquitaine. Il y a mille et une questions de droit à soulever sur la question. Et Thibault dit, ça fait partie des revendications, c'est dans la liste pour l'AG, sinon c'est un groupe à part. OK? Oui, OK. S, E et vous. Alors, attends, attends, parce que ça a fait une correction bizarre. Attends, vas-y, retape. C. C. K. OK. B. O. Pour. C. Vous. C'est vous. A. C'est avec C. A. C. R. D'autres. Question. C'est OK pour vous ou vous avez d'autres questions? Si vous dites OK pour moi. Les autres? Jessie dit OK pour moi, j'ai une petite idée du travail qui nous attend sur le sujet. S. Super. C. E. C. K. O. N. O. S. Tiendra à au courant. Super, dans ce cas, on se tiendra au courant.
accent grave. L. A. La. B. R. O. C. H. Prochaine. À la prochaine. J. Remercie. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.